Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire le tuto de cupcake. Alors pour le premier cupcake, vous aurez besoin de Sahara numéro 70 pour faire la base, de bleu brillant numéro 33 et de rouge indien numéro 24, d'un stylo pailleté, de votre lame, d'un moule base de cupcake et d'un rouleau. Alors on va commencer, il va falloir faire une boule que vous allez mettre dans votre moule. Ensuite, vous prenez votre rouge indien que vous étalez quand même assez finement. Et ensuite, vous allez venir le découper approximativement en forme de rond. Vous allez reprendre du Sahara et faire un dôme. Et vous allez le mettre par-dessus votre base de cupcake. Et vous allez faire en sorte qu'il adhère bien déjà à la base. Ensuite, vous mettez le rouge par-dessus pour faire le glaçage. Et vous découpez tout autour pour que ce soit bien net, comme sur un cupcake. Ensuite, vous venez faire un boudin et vous venez ensuite former une note de musique. Je vous laisse regarder comment on la forme. Et ensuite, après la cuisson, je vais venir faire trois points avec mon stylo à paillettes. Alors, on va faire un deuxième cupcake pour vous donner d'autres idées. Donc il vous faudra toujours du Sahara numéro 70, du Cher Clair numéro 43 et du Rose Framboise numéro 22. Donc vous allez réaliser exactement la même chose que la première fois pour le cupcake. Ensuite vous allez prendre du Cher Clair, vous allez faire un boudin puis l'aplatir. Et on va ensuite le mettre sur le cupcake de façon à faire comme un esprit papier cadeau. Donc là on voit un peu les jointures des bords, mais c'est pas grave parce que par-dessus on va mettre un nœud, donc ça se verra plus après. Donc ensuite vous allez refaire un boudin toujours avec votre Cher Clair, que vous allez aplatir légèrement. Donc je passe un coup de rouleau pour qu'il n'y ait plus de traces de doigts. Vous allez couper de toute façon ce que ça forme un rectangle. Et vous allez ensuite le replier sur lui-même. À l'image. Donc voilà. Ensuite, vous allez venir prendre un petit peu de pâte que vous allez étaler et on va former les rubans. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!